Good morning. Allez, Iden, mais tu seras aujourd'hui le Lunishmat. David ben Fortuna, Madame Fitna, Lucienne Batreina et Claude Shlomo ben Shalom. Si vous souhaitez, vous aussi, une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sefer Sota, Perek Aleph, Mishnah Vav, Aïta Mikasa, Balevanim, Mechasa, Bashkorim, Ayu Alea Kle Zahav, Vekatlayot, נזמים וטבעות מעבירים ממנו כדי לנבלה ואחר כך מביא חבל מצרי וקושרו למעלה מדדיה וכל הרוצה לראות בא לראות חוץ מעבדיה ושפחותיה בני שליבה גס בהם וכל אנשים מותרות לראותה שנאמר ובסרו כל הנשים ולא תעשנה כזימתכנה. On continue le procédé, le rituel de la sota. Comment faire une fois que la femme, elle s'est isolée? On reprend depuis le début. Le mari l'a prévenu de ne pas s'isoler avec cette personne. Elle s'est isolée avec deux témoins qui l'ont déposé dans une chambre. Quelques secondes, le temps de faire cuire un œuf et de le boire très rapidement. Un œuf sur une poêle chaude, déjà. Et ensuite, il l'amène au Bet-Din de sa ville. Du Bet-Din de sa ville, on va monter, on va lui donner deux Talmid Chamim qui vont les escorter jusqu'à partir à Yerushalayim. Ils arrivent à Yerushalayim. On l'a fait rentrer d'abord à la Leshkat Gazit. Là-bas, on la met en garde. Ça vaut pas le coup pour elle de faire effacer le nom d'Hachem. C'est très grave, les gens qui la connaissent, elle s'en sortira pas de toute façon. Si déjà, on essaie de la modouer pour qu'elle ne reconnaisse pas. Si elle reconnaît son tort, c'était la mission précédente, elle reconnaît son tort, elle l'avoue. Ça y est, alors on lui dit, bon, on ne te fait pas boire. Son mari la divorce, elle remonte à la Ktouba et c'est fini. Si toutefois elle insiste à boire parce qu'elle est claire, elle est franche, elle affirme qu'elle n'a pas fauté, alors on va continuer, on va l'amener maintenant dans la Hazara pour lui faire cette fois-ci le Korban, l'offrande de la Sota, pour ensuite la faire jurer. On avait vu dans la Mishnah précédente qu'on l'humilie et on lui fait une pression psychologique très forte pour qu'elle avoue avant qu'on efface le nom d'Hachem, avant qu'on efface la paracha de la Sota. D'accord? Une très grande pression, dans le sens où on va la promener plusieurs fois, viens ici, descend, remonte, après on lui déchirait les vêtements devant tout le monde, on lui découvrait les cheveux, ça c'est la fin de la Mishnah précédente. Et sur ça, la Mishnah va continuer à m'apporter quelques petites précisions en me disant d'abord, Aïta mitkasa balevanim, mechasa bashrorim, si elle est habillée avec des beaux habits blancs, on va lui faire mettre une tunique noire moche, simple. Ayo, de nouveau, pour qu'elle ne pas qu'elle se sente, pour le moment elle se sente madame, la grande dame, à faire la belle. Plus on va la briser dans sa fierté, dans son orgueil, dans sa beauté, on va la rabaisser. Et comme ça, si toutefois elle a fauté, elle va finir par avouer, elle va céder à la pression. Donc on lui mettait des habits, des vêtements noirs, en plus de ses habits qu'on avait déchirés. Je ne sais pas exactement en fait, est-ce qu'on d'abord on déchirait ses habits parce qu'on mettait des vêtements noirs ou bien est-ce qu'on mettait des vêtements noirs d'abord et qu'on déchire ensuite les vêtements noirs. C'est plus logique, disons, de dire comme ça. C'est pas assez clair. D'accord? Maintenant, Ayu, Alea, Klei, Zahav. Si elle avait sur elle des bijoux, qui sont en l'occurrence des Klei, Zahav, des ustensiles en or, ça veut dire des objets en or, des bijoux. Ktaliot, c'est des colliers. Nezamim ve tabaot. Alors, les nezamim, c'est des anneaux dans les oreilles, des bouts d'oreilles. Je crois qu'il avait même dans le nez à l'époque, si je ne me trompe pas. Ouais. Nizmea af ve ozen. C'est l'envers, ça s'est perdu complètement. Aujourd'hui, les gens qui mettent des bouts d'oreilles dans le nez, c'est des gens qui sont relativement assez à culture hindoue, on va dire. C'est un peu moins à la mode chez les gens bien pratiquants. Mais en tout cas, à l'époque, ça faisait partie des kishutim de la femme, Et des tabots aussi, elle avait des tabots, on lui enlevait tout. Ensuite, ma virim, donc si elle avait tout ça sur elle, ma virim, mais maintenant qu'elle est là, on enlevait tout ça pour la rabaisser encore qu'elle se sente basse. La rinkar mevi revel mitri, c'est psychologiquement, c'est très fort. Quelqu'un qui se sent sûr de lui, il est capable d'affronter l'humiliation. Mais quelqu'un qu'on le brise, on le casse, il va finir par céder. D'accord? Marcar mevi revel mitri, après on va lui porter un revel mitri, une corde simple. Parce qu'en fait, on l'a déchiré les vêtements. D'ailleurs, donc c'est bien la preuve qu'il fallait mettre les vêtements noirs avant de lui déchirer les vêtements. Et on déchirait ses vêtements noirs, en l'occurrence, j'imagine.
Ensuite, on va porter une corde d'Égypte. Une corde grossière, moche. Ouais, imaginez que vous devez attraper votre pantalon, et on vous enlève votre ceinture pour mettre une corde très grossière, très moche. D'accord, c'est le même principe. Là, de nouveau, on a déchiré les vêtements. Ces vêtements, ils sont maintenant sur le pantalon, mais parce que le pantalon, il les retient comme ça. On va les attacher, on va aller chercher une corde pour l'attacher comme ça, avec la corde sur elle. Mitzri, pour lui rappeler que elle a fait un acte d'Égypte, comme en Égypte, où les gens étaient très... et pratiquaient l'inceste à tout va. Et ensuite, Vekocho les malamidader, on va l'accrocher donc au-dessus de sa poitrine pour retenir le vêtement pour qu'il ne lui tombe pas. Ensuite, il y a un petit problème, il va y avoir écrit des mots, mais en fait il va devoir l'interpréter tout avec un niveau supplémentaire. Un niveau dessus. Je traduis d'abord. Vekolaro c'est l'irot ba, l'irot, ba l'irot. Tout celui qui veut voir ce qui se passe, il viendra la voir. Chous meavade avec chifrotea, à l'exception de ses esclaves et ses servantes. Il peignait chez les bacs gazbaïn. Pour le moment, donc on a dit, tout celui qui est présent, qui veut venir voir ce qui se passe, qui vienne la voir, au contraire, plus il va y avoir une foule autour d'elle, plus ça va être, elle va être comme ça, elle va se sentir, elle va. Et si elle a fauté, c'est sûr qu'elle va craquer. Et d'ailleurs, vous allez me dire, ouais, mais peut-être qu'elle n'a pas fauté, qu'on est en train de l'humilier pour rien, on a déjà expliqué, on n'est pas en train de l'humilier pour rien, parce que quoi qu'il arrive, elle n'avait pas s'isoler, elle a fait quelque chose de très grave en s'isolant. Elle a de toute façon une conduite frivole, donc vous imaginez bien qu'on n'a pas de pitié pour elle. À plus forte raison, quand maintenant, il y a des forts soupçons qu'il y a eu quelque chose par derrière, alors si déjà, on a envie de l'user. Donc tous ceux qui veulent voir, ils viennent voir. À l'exception de ses esclaves et de ses servantes, eux, il ne faut pas qu'ils viennent. Parce qu'elle va se sentir en confiance. Mipene chez Liba Gazbain, parce que son cœur est sûr, il est proche d'eux, elle se sent assez à l'aise. Plus elle va avoir ses repères. Imaginez-vous, tout seul devant une foule qui sont en train de vous humilier comme je ne sais pas quoi. Mais vous allez, dans la foule, vous allez trouver quelques bonnes connaissances qui vont faire un petit sourire, genre on dit, tiens bon mon frère, vous allez vous ressentir un petit peu fort. Donc il ne faut surtout pas que ces gens-là soient présents. Donc du coup, on interdisait à ses esclaves et ses servantes d'être dans la foule. Parce que là, elle se sent un peu trop, elle a l'habitude de se sentir au-dessus d'eux, toujours à leur donne des ordres, madame. Donc du coup, elle va ressentir, elle va voir sa force qui va lui remonter. On veut lui casser ça. Mipene chez les Bagasben, parce que son cœur est donc Gasben, il est trop habitué à eux, et donc du coup elle se sent bien. En leur présence, donc il faut les écarter. Vecholanashin mutarot lirota, c'est là où il y a le petit problème. Et toutes les femmes ont le droit de venir le voir. En réalité, elles ont l'obligation de venir le voir. Chez Nehemar, comme le verset nous dit, veni vaseru kolanashim, un verset qui parle des névouot sur la destruction du Beth Amikdash. Et je n'ai pas ouvert le pasouk, mais j'imagine qu'on va parler là-bas de femmes qui vont se faire, des femmes qui ont fauté, en l'occurrence. Alors elles vont avoir des dures épreuves, ou peut-être mourir, ou je ne sais pas. Et le pasouk nous dit, Venivasru kolanashim, et les femmes seront éprouvées, et elles vont tirer la leçon. Velota asena kezimatrena. Et elles ne feront plus comme vos écarts, comme votre bassesse, votre frivolité. Soit, en fait, tel que c'est présenté dans la Mishnah, il y a chacun le droit de venir, les hommes ils peuvent venir voir, et même les femmes aussi elles peuvent venir voir. En réalité, c'est pas comme ça. Les hommes, s'ils veulent, ils peuvent venir voir, c'est bien, c'est pas obligé, mais les femmes, toute femme qui est présente dans la Hazara, elle devait tout arrêter. On dit, il y a une sota là-bas, on va lui faire le rituel de la sota, venez tous. Pourquoi? Comme ça, plus les femmes elles vont voir comment c'est humiliant, plus elles vont s'éloigner bien plus fortement de toutes sortes de conduites un petit peu. Elles vont revenir chez elles, bien plus renforcées, à garder davantage de distance avec les hommes étrangers. Et en fait, donc la Mishnah nous dit, elle nous présente comme si que les hommes s'ils veulent, et les femmes aussi si elles veulent, en réalité c'est pas vrai. Les hommes, c'est bien de venir, mais c'est pas obligé. Les femmes, c'est une obligation de venir. Toutes les femmes qui sont présentes dans la Zara, c'est déduit de Psukim. Elles ont l'obligation de venir, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.